Attendez, avant que je vous prenne, il faut que j'envoie un mail. Parce que là, c'est urgent. Je vais faire ça et après, je vous dis bonjour. Vous savez quoi? Je vais vous dire bonjour en même temps. Oh là là, j'ai une barre là au niveau de la tête. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit vlog. Je viens de me lever hein, il y a à peine 15 minutes là. Et je me suis dit, bah, j'allais ouvrir mon vlog, faire mon petit cappuccino, vous faire des petites prises sympathiques. Mais en fait, non. Non, non, ça va pas commencer comme ça ce vlog. Ça va commencer plus dans... Pas l'urgence, parce que rien n'est urgent dans la vie, hein. Mais pour mon mental, il est mieux que je fasse ça, comme ça au moins je sais que c'est une tâche qui est mise de côté. Alors comment je vais gérer ça? Attendez. Alors. J'arrive pas à réfléchir là. Ah si, je sais comment je vais faire ça. Oh là là, j'ai mal à la tête. En plus, les lumières là, dès le matin, comme ça, je vous jure que c'est pas évident, hein. Elles sont mes lunettes. Elles sont... Voilà. Il suffira d'un signe... Un matin, un matin tout tranquille et serein, quelque chose. Là, c'est la musique qui est censée être en fond. Hein. Allez, on fait ça en mode brut. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans le livre de vos riens. Déchirer nos guenilles. Parfois, le matin, ça, c'est pas très bon pour moi. Hein. Parfois, dans les vidéos, vous voyez un petit peu mon grain de folie, mais croyez-moi que c'est très minimisé. Hein. Parce que je crois que sinon, vous prendrez peur et vous partirez. Bon, allez, je vous laisse, je fais ça parce que là, je suis en train de cliquer un peu dans le vide. J'arrive même pas à voir ce que je fais. Enfin, si, j'arrive à voir, mais il faut que ce soit un peu plus rapide. Donc, à tout à l'heure. Oh. Ça va être dur. Pourquoi j'ai... Oui, c'est peut-être mieux qu'on se voit pas ce matin. Allez, bisous. Bisous, oui, oui, mais allez, bisous. Je crois qu'elle est avec une personne au téléphone. Allez, ciao, bisous, à demain. Et je vous reprends maquillée bien plus tard. Mais j'ai pris mon petit déjeuner tout à l'heure quand je vous ai laissé. J'ai fait mon petit train-train dans mon bureau. Et là, écoutez, moi et mon pote Grisouille vous souhaitons un bon visionnage de cette vidéo. Et je te gêne un peu là, je l'écrase un peu. Il doit dire, elle veut quoi elle? Bref, je me suis fait un petit fit ce matin pour prendre le petit déjeuner avec un petit cappuccino. Avec ma petite... Ah d'ailleurs, la vidéo n'est pas encore postée, je vais vous mettre le lien de cette fameuse petite cafetière. Voilà, c'est celle-ci que j'utilise, c'est la Minimi de chez Dolce Gusto. Je vais vous la mettre en barre d'infos parce que bah, très souvent on me demande sur Instagram. Ça va mon doudou? Comment tu vas? Tu vas mieux depuis la dernière fois? Comme s'il allait me répondre. Bref, je suis tellement gnangnan moi et tellement gaga avec mes chats, j'imagine pas vraiment quand je vais avoir des enfants. Mais en attendant, c'est eux mes petits bébés. Bref, je vais continuer la journée. C'est parti, let's go! Entre un truc, je pense que ça va faire rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Ma maman, en cherchant, enfin, surtout en... Alors attendez, je vais me mettre là, ce sera peut-être un peu mieux. En rangeant son sous-sol, etc. Regardez sur quoi elle est tombée. Enfin, c'est pas un truc de... Enfin, vous entendez pas un truc de malade, mais pour moi, ça me fait rappeler beaucoup de souvenirs. Et voilà, qui se rappelle des Diddles? J'avais... Oula, c'est mieux comme ça. J'avais fait une petite collection et je me souviens comme si c'était hier avec Stéphanie à la récré. On s'échangeait des feuilles, grandes feuilles. Bon, il y a tellement de choses à l'intérieur. Bon, ça, je vais... les donner aux petites nièces d'Ayoub. Je pense qu'elles pourront le réutiliser, en tout cas s'amuser avec. Mais je suis tombée sur ça et ça m'a fait rappeler plein de souvenirs. C'est trop chou. Ah là là. N'empêche, on s'amusait bien avant. Franchement, avec, avec peu, bah, on savait s'occuper, on savait s'amuser. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'avais envie de vous montrer
ma petite collection d'idol. Dites-moi si vous aussi vous faites partie de la génération d'idol. J'ai vraiment envie de savoir parce que je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, faut que je leur montre. Je pense que ça va leur rappeler des petits souvenirs. Donc, petit flashback, retour en arrière. Je reprends dans la voiture. Je regarde l'heure. Ok, il est 16h là, je vais prendre la route. Bon, écoutez, je pense que dans toute la région parisienne, en tout cas, Ayoub m'a dit que c'était placardé de partout aujourd'hui. Il a vraiment galéré dans sa journée de boulot. Et c'est vrai que c'est le cas, il y a des bouchons de partout. Donc là, je suis sur le retour, je rentre à la maison. Hop là, moi je vais par là. Bon, on n'a pas une excellente luminosité, mais c'est pas grave. Là, j'attends ma maman qui va rentrer. Il est 18h12 exactement. Alors, elle a pris les transports aujourd'hui. Ayoub l'a déposé ce matin puisqu'elle avait un rendez-vous sur Paris. J'ai pas pu l'accompagner parce qu'aujourd'hui, j'avais pas mal de rendez-vous téléphoniques au bureau et tout. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne vous ai pas beaucoup pris à la maison. Mais là, elle m'a envoyé un petit message pour me dire est-ce que tu peux venir me chercher à la gare. Et vu que j'étais juste à côté, j'ai même pas fait demi-tour à la maison. Là, je vais aller la chercher et puis... Et puis voilà, c'était juste pour vous faire un petit point de la soirée. Il fait tellement nuit que j'ai l'impression qu'il est 22h alors qu'il est que, bah, comme je vous ai dit, 18h13 là maintenant. Bref, allez, je l'attends et en même temps je vais répondre à quelques mails que j'ai reçus. Enfin du moins regarder et puis après me poser un petit peu plus tard dessus et puis voilà. Ah bah j'allais ouvrir. T'es surpris hein. Ça va. Je m'en doutais que tu es derrière hein. Ah, tu fais ton petite enquête là. Hein. Ah bon bah ça vient d'avancer. Ça va. Ouais, c'est non, cool. Non, deuxième couche là. Ah bah trop bien. Ah c'est ouais. Joli hein. Ça va. Ça va et toi? Ça va, merci. Il te manque quoi là? Ça y est, il manque la moitié de là. Ouais. Toute la moitié par là-bas. Ok. Et après on va faire les plinthes, on va faire les côtés là-bas. Les côtés des portes. Ah ouais. On va scotcher là et on va le peindre en gris. Ah ouais, la ça même va couleur être que ça. Ouais, ça va être joli. Ça va être beau, ouais. T'as attaqué il y a longtemps, là? T'es rentré à quelle heure? Oh, je viens de d'attaquer, là. Ah, bah, c'est bien. Je suis rentré un peu tard avec les bouchons et tout ça. Bah, on est d'accord. C'était ouais. Grave bouchonné aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Oh, laisse tomber. Bah, même Ayoub, il a galéré au travail aujourd'hui. Ça peut être le départ des vacances, donc... Bah, je pense que c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'était bouché de partout aujourd'hui. Vraiment. Donc là, je viens tout juste de rentrer. Tout à l'heure, je suis sortie un petit peu en urgence, hein. C'était pas du tout prévu et j'ai donc pas rangé mon bureau. Mais c'est pas bien grave parce que bah, là, je vais continuer à bosser et faire ce que j'ai à faire en sachant que là, 1, 2, 3, j'ai 3 tâches qui me restent à faire. Mais il y a une tâche qu'il faut que je fasse absolument avec Ayoub, donc ça je le ferai un petit peu plus tard quand il rentrera du boulot. Et 2 trucs que je vais faire tout de suite et un truc qui s'ajoute parce que comme je vous ai dit tout à l'heure en voiture j'ai reçu un mail. Donc il faut que je le valide, voilà. Il faut que je le lise etc et puis je donne ma réponse. C'est pas du tout en rapport avec YouTube ou Insta ou les réseaux sociaux, c'est vraiment complètement à part. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Je me suis lavé bien évidemment les mains, gel, hydroalcoolique, patati patata, hein. Maintenant ça fait partie de notre quotidien. Même si on se lavait les mains avant tout ça, mais c'est vrai que là c'est bien plus que d'habitude. Je vais faire ça, je vais pas appeler Ayoub, je vais regarder juste sur Zenly où il est, est-ce qu'il conduit ou pas. D'ailleurs vous me demandez souvent... l'application de géolocalisation qu'on utilise avec Ayoub, c'est Zenly, Z-E-N-L-Y. J'ai dit que je vais vérifier sur Zenly parce que s'il conduit, bah, je l'appelle pas, mais par contre s'il est en arrêt, je l'appelle par rapport au fameux mail. Allez, let's go, c'est parti, je vous retrouve plus tard. Bon, là, je vais faire cuire mes petites pommes de terre, j'ai fait chauffer mon eau et pour ce soir, en fait, ce sera une petite soirée raclette. Bon, je sors la petite charcuterie avec le plateau raclette sans croûte. Donc on a un fromage aux 3 poivres, on a aussi des fromages classiques et des fromages fumés. Donc c'est de la marque Carrefour. Donc on va manger une petite raclette comme je vous ai dit pour ce soir devant une petite émission soit Incroyable Talent, soit Cauchemar en cuisine de Philippe Etchebest, soit... le meilleur pâtissier, voilà, un des 3. Donc on regardera bien tout à l'heure ce qu'on va choisir à regarder. Et puis moi je pense que je vais clôturer ce vlog
Donc j'espère qu'il vous aura plu. Là franchement la soirée va se finir tranquillement et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je veux clôturer maintenant pour profiter tranquillou de la soirée. Je vais monter une partie de cette vidéo le temps qu'Ayoub rentre du boulot. Comme ça ça va être rapide, de toute façon les pommes de terre à cuire et puis je pense qu'il va rentrer d'ici une petite heure. Donc normalement, logiquement, j'aurai terminé de monter la vidéo et comme ça, je pourrai profiter un petit peu de ma soirée tranquillement. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce, le commentaire qui va avec. Et puis moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao! I wasn't missing a thing, no, I